les voyeurs. On a voulu commencer cette journée en musique. Ouais, c'est vrai, c'est pas mal. On a pris la route, l'autoroute des vacances. On a déjà bien roulé, hein. Oui. Combien on doit faire déjà? De quoi? 2 km? Ouais. 67? Ouais, c'est ça à peu près, ouais. Ouais. On a déjà fait un peu plus de 30, la moitié on va dire. Oui, je prépare le petit déjeuner pour ce matin. C'est bien, maman. Alors cette route, elle te plaît? Bah, c'est un peu tristouille, hein. C'est tout droit, il n'y a pas grand chose. C'est le plat pays, pourrait-on dire. Ouais, ouais. Pourtant, nous sommes dans la région des volcans. Oui. Et je pense que ça fait un peu comme le plat pays dans ma région. Oui, c'est ce que je viens de dire. Tu n'écoutes rien du tout. Mais j'ai pas terminé. Sauf qu'ici, les volcans, c'est un peu comme les terrils par chez moi. Il y en a un de temps en temps. Voilà, c'est tout. Oui. Donc aujourd'hui, on fait quoi? Aujourd'hui, bah, on se rend sur un volcan. Ça t'a pas suffi hier? Le chaos, non? Panom Run. Ah, ben, eh oui, mais pour une raison bien précise, ça n'a rien à voir avec celui d'hier, maman. À son sommet, à 402 mètres d'altitude, oulala, se trouve l'un des complexes, l'un des temples khmers le plus vaste et le mieux restauré de Thaïlande. Ah, excusez-moi, je prépare le petit-déj. Vas-y, continue. Voilà, non, je ne veux pas en dire plus pour le moment. Et si, si tu veux, il se trouve évidemment sur la route impériale entre Angkor et Pimaï. Voilà. Ah, d'accord. Bon, c'est quoi que tu m'as pris là, plutôt de dire d'accord. Donc, bah, je t'écoute. Ouais. Donc, un munch au tarot. Ça, c'est pour toi. Hein. Tatin, je sais pas, on verra, je vais goûter. Si, hein. Et ensuite, un munch, toujours, mais à la patate douce. Il est pour toi. Et au haricot, je vois aussi. Oui, haricot. D'accord, ça, c'est pour moi. Très bien. J'ai une petite boisson ou j'ai juste le droit de m'étouffer avec cette pâte? Je t'ai pris ça, fruit de la passion. Sûr que c'est le mien? Carotte. Je ne pense pas. Et oui, il y a des carottes. Oui, mais c'est pas ça. C'est celui-ci que t'aimes pas. Litchi, citron, tomate, fraise. Il y a même de la betterave, il me semble. C'est bon. C'est bon? Tu peux goûter? Non, ça se voit pas, c'est pas le mien. Il y a de la carotte, c'est pour toi aujourd'hui. Voilà, donc on prend le petit déj tranquille parce que qui dit volcan. Ouais, il faut des forces. Mais là, cette fois-ci, tu vas pas monter d'escalier. Hein. La couleur est pas très excitante. Hein. Il n'y a pas d'escalier, je disais. Uh-huh. Ah, d'accord. Tu peux manger quand même. Oui, tu peux manger, bien sûr. Allez, vite fait, avant de reprendre la route, Mamour avait une petite question. Oui, hier, nous avons beaucoup travaillé sur la photo de la miniature ainsi que le titre. On aimerait avoir votre avis. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous a interpellé? Poussé à agir, à aller voir cette vidéo. Il faut qu'on sache parce que, évidemment, on aura des commentaires dans la journée et pour le montage de ce soir, il faut qu'on puisse avoir réitérer ou pas. Oui, voilà. Donc, un petit commentaire, un petit pouce en l'air, bien évidemment, hein, sinon ça ne sert à rien. Ou pas, comme ça. Ancel, Mamour, Ancel, on a encore de la route. On arrive. C'est où cette montée? On arrive tous ensemble et en même temps. Ça, c'est extraordinaire, non, maman? Donc, nous sommes au parc historique de Phnom Run. Et on va aller s'acquitter d'un billet d'entrée qui doit être de 100 bahts pour les étrangers. D'ailleurs, pour les Thaïlandais, c'est 20 bahts. Qu'est-ce qu'il est beau, ce Bob! Ah, je croyais que tu parlais de celui que tu avais sur la tête. Waouh! Comme sur tous les lieux hyper touristiques, il y a beaucoup de bouts de shops de souvenirs, n'est-ce pas, Wiki? Ouais, t'as raison. Et pourtant, à Pimaï, ça reste un sacré parc historique, il n'y en avait pas. Donc, ouais. Et on devrait rencontrer beaucoup plus de monde, nous sommes dimanche. Pimaï, on était en semaine, on pouvait dire carrément, on était en visite VIP, il n'y avait personne. Là, à mon avis, ça va être un peu différent. Ça fait le charme aussi. Hein. Ouais. Beaucoup de verdure, hein. C'est sympa comme tout. C'est vrai que c'est sympa.
J'ai pas menti, l'entrée c'est bien 100 bahts. Ensuite on va faire un billet combiné avec un autre temple khmer, le Prasat Muangthamm, on n'ira pas. Et dans ces cas-là, ce sera 150 bahts. C'est mieux parce que si on l'achète sur place et ensuite à l'autre, ça fera 100 bahts à chaque fois. Donc il y a une petite économie. Olé ! Et oui, tenue correcte exigée. On ne montre pas ses épaules. En fait, toutes les marches, elles vont être hautes comme ça, Wiki ? Je ne sais pas. On dirait de la lave, quand même. Non, regarde. Ensuite, c'est un escalier en bois. Mais quand même, les marches sont hautes. Elles sont hautes, ouais. Ouais, c'est vrai. Wiki histoire sans son t-shirt première. Tout simplement parce que c'est celui-ci qui a séché le plus vite, donc j'ai remis le même. Eh oui, c'est comme ça. Ici, on est aux abords du pavillon royal. C'est ici que nous allons faire la présentation, donc, du temple. On va aller visiter après le Prasat in Panom Run. Donc, construit entre le 10e et le 13e siècle, en plusieurs périodes bien sûr, il faut savoir que le volcan symbolise le mont Kailash. Et oui, la demeure céleste de Shiva, parce que ce temple est dédié à Shiva. C'est un temple khmer, un temple hindou. Ah, d'accord. La restauration de l'ensemble du site, ça a pris 17 ans, de 1971 à 1988. D'ailleurs, l'inauguration a eu lieu en mai. Et maintenant, on va tout simplement profiter des lieux. Sympathique ce temple khmer. Surtout cette allée. Oui, l'allée est majestueuse, hein. Elle est immense, elle est vraiment belle, ouais, pierre de lave. Oui, ouais, ça se voit que c'est de la lave, sol, ouais, bien sûr. C'est très très joli. Le temple, on voit beaucoup les restaurations. À 17 enfin, ça, ans, ça 17 ans, maman, longue période de restauration. Oui, oui. J'avais lu hein, que sans les restaurations, en fait, ce sont de simples ruines, c'est tout quoi. Ouais, bah, du coup, c'est pas mal. Ouais, du coup, ce qu'on admire est. Ben, c'est pas vraiment de l'époque, quoi. Ouais, ben, il fallait s'en douter. Avec ouais. C'est donc un temple khmer des années 1970. Vintage. À choisir, oui. J'ai préféré le site historique de Pimaï. Mais ce n'est que mon avis. Moi aussi, j'aurais donc mis 7 allées sur le site de Pimaï. Ouais, on va faire ça. On va faire un temple, on va faire nous-mêmes un parc historique. Voilà, oui. Tout simplement. Pardon, pardon, tu gênes, merci. Je peux avoir mon casque, s'il te plaît ? Oui, tu vas avoir ton casque. Je vais te le balancer, le casque. Et c'est reparti, maman ! Mais je vais être cool. Avant d'attaquer la prochaine visite, je te propose d'aller manger un petit morceau.
Merci Monseigneur de me nourrir. Allez, accroche-toi, c'est parti pour une série de virages. Ouais, bon. Alors, tu fais takeaway ? Ouais, on est à la mode thaï, là. Une vietnamienne, enfin asiatique. On se pose avec le scooter, on prend, on s'en va. Donc, quelques nems, c'est ça ? Oui. Enfin, des rouleaux. Et puis ensuite, deux brochettes de poulet. Ouais. Peut-être le dessert juste à côté. Et juste sur le stand à côté, on était là, tac, on est venu ouais, là. Des petits gâteaux avec du raisin, je sais pas exactement ce que c'est, mais ça va le faire, maman. La boisson. Et voilà. Allez. On va se trouver un petit coin maintenant. Ouais. C'est là qu'on va s'arrêter pour camper, je crois. À l'ombre de cet arbre, maman. On va être bien. On va face être bien, à cette, là, regarde. Étendue d'eau, franchement. Très bien. Allez, camping sauvage. Ça va le faire. Bon, j'ai pas fait de descendre très bas, si tu veux. Non, là, pour s'asseoir. Non, il est bien. Allez, go. J'ai pris la bouteille d'eau aussi. Hein. T'as bien fait. Eh oui. Ça doit être sucré, je pense, cette boisson. Oh, on est bien là. Ouh là là. On va se régaler, ouais, maman. C'est oh, cool, t'es un non peu dans l'eau. Hop, je pensais qu'on ne trouverait rien, parce que quand on a repris la route, t'as vu. Ouais. Wow, gauche et droite. Le désert. Ouais. Un théâtre d'agriculture, mais pas pour se nourrir. Et pour finir, on a trouvé un petit marché. Donc, les brochettes de poulet. Très belles. Ouais. Les spring rolls. On les voit. On les voit bien ? Ouais. En dessert, on dirait des petites madeleines. Hein. Ouais. Ah ouais, c'est ça. Une petite brioche avec du raisin. Deux thés chrysanthèmes, un peu d'eau, une sauce certainement piquante, mais également deux petites sauces. Bon, c'est du ketchup, hein, tout simplement, hein, tomato ketchup. Très bien. Et pour la modique somme de 2,15€ pour l'ensemble, avec les boissons et tout. C'est bien, on va être bien là. Ouais. Bon, bah écoute, moi je commence à manger, toi t'as filmé. Avec vue imprenable. Tu débarrasses la table, s'il te plaît. J'aimerais bien qu'on aille se promener maintenant. Ouais, c'est ça, ouais, bien sûr. Facile de retourner à ton avantage alors que c'est moi qui viens de te demander de te bouger un peu. Ouais. J'ai mis la table, tu la débarrasses. T'as mis la table. C'est comme ça. Ah, mais t'as pas fini ton verre. C'est peut-être une erreur. Tu me mets mon casque, s'il te plaît. Pour l'instant, je mets le téléphone. Et en même temps, je peux t'annoncer qu'il reste encore 20 km jusqu'au prochain site. Très bien. Et maintenant, je vais te mettre ton casque. Viens ici. Petit Calimero, arrête de faire ça. C'était juste pour ça. Voilà. Hein. Oh. Merci, mon Wiki. T'es fier de toi ? Nous sommes arrivés. On vient de faire combien de kilomètres là ? 20 kilomètres, il faudra en refaire 20. Mais depuis le parc historique, maman. Oui. Et alors ? Bah, c'est grave ? Non ? Écoute, chaque visite est proposée au boss, c'est toi, et c'est validé. Non, là tu m'as donc rien proposé si du tout. Je t'ai dit, tu mens. Et j'avais des atouts, comme atout. J'ai pas d'histoire à raconter sur ce temple puisqu'il est hyper récent. Nous avons ici le Véarn, la salle de réunion, qui date de 2008, et l'Ubosoc. Juste derrière la salle d'ordination qui date de 2012. Je savais que c'était Voilà, c'est bon, on peut y aller. Je savais que c'était pas achevé. D'ailleurs, le stupa est pas terminé. Ou le shedi, peu importe, il est juste derrière toi. Mais je trouvais que la configuration est. Et je pense que l'intérieur est un peu original. J'ai Très vu bien. De magnifiques colonnes sculptées. On va voir ce que ça donne en vrai. Sur les photos, c'est sûr que ça rend bien. Thank you.
Vous entendez ce petit bruit de scie circulaire? Oui, mais il travaille sur le chedi, maman. Oui, donc c'était pas du tout fini. Ah non, je l'ai dit que c'était pas achevé. Seulement deux édifices. Oui, comme je t'écoute à moitié, j'avais que la moitié des infos. Hein. En attendant, à l'intérieur, deux magnifiques statues de Bouddha en jade. Oui, surtout la blanche, très magnifique. Et également la, plus le petite, jade vert translucide. Mais très belle également. Eh oui. Là, le... Le chedi? Oui, il est en... C'est les moines hein, qui travaillent. Ah oui, c'est sur les moines, bien sûr. Ouais. Ah, ça va être grandiose pour l'instant. Bah... Oui, ça va être beau. Après, le site est vaste. Je pense qu'on va faire quelque chose de sympa. Oui, bien sûr. Donc maintenant, bah, on a plus de 80 km. 80 km. Ça va que Bob est confortable. Ah, tu vois? Ouais. Et puis, faut, justement, Bob, il faut s'en débarrasser maintenant. Ouais, s'en débarrasser, le pauvre. On va le rendre à ses propriétaires. Ouais. Et on se retrouve là-bas pour manger une glace. Suivez-nous, on y va. Ah, au revoir, Bob. Bye bye, Bob. On a récupéré notre caution. Oui. Qui était de 1000 bahts. Correct, oui. On a déjà eu bien plus que ça. Voilà, il n'y a rien à dire. Maintenant, nous sommes piétons. Ah si, il y a à dire. Il est où, le Seven Eleven? Un petit peu on vient plus loin. On vient de se faire 85 km. J'ai même pas le droit à une petite glace sur la route. Rien du tout. Maman a dit, vas-y, trace, trace. C'est bien la première fois qu'elle a pas mal aux fesses. Si, bah, c'est pas ah, t'as que... mal aux fesses? Oui, ah. Oui, oui, j'ai mal aux fesses. J'ai mal aux fesses et j'ai soif. Ah. Arika, arika. Oh, maman, tu sais de quoi j'ai envie? Non, dis-moi. Une petite bière, bien fraîche. Je sais pas si c'est possible, je pense que c'est à 17h. Ah. Il y a un rideau qui ferme. Et là, je vois que c'est ouvert. Non, non, mais... faut que je demande. Ah. Faut que je demande, mais il me semble que c'est... Allez, je crois qu'il y a des horaires, je me souviens plus. Tu sais quoi? On va tenter, on va demander. On va demander, on va demander. Ah, c'est nul, nul, nul. Donc, les jeunes filles se contredisent, mais j'avais raison. Celle de la caisse, a vu, pas avant 17h. Et oui, c'est comme ça, maman. Donc tu n'auras pas ta bière. Il va falloir que tu trouves autre chose. Qu'est-ce que je suis content d'avoir choisi une glace, moi? Pour la première fois de ma vie que j'avais envie d'une bière... Tu en prendras une autre fois, maman, il n'y a pas de souci. Pour le moment, tu peux te choisir une boisson hygiénique. Tiens, j'ai plus envie de filmer. Tiens, j'ai plus envie, je m'en fous. Oh ouais, t'arrêtes de foutre le bazar, là. Je m'en fous. Et tu prends pas un gros gobelet, je te préviens, je te surveille. Allez, c'est la fête. Un gobelet à 20 bahts. T'as dit, je prends pas un gros gobelet, je fais ce que je veux. Je prends un gros gobelet. Là, de la chance, j'aurais pu prendre un verre. Hein. Allez. Oh, que je suis déçue. Eh oui, je le savais, mais c'est bizarre que la première jeune fille nous a dit « Oh, c'est bon, c'était spécial. » Mais c'est vrai que d'habitude, il y a un rideau devant les boissons alcoolisées. On peut même pas se servir. Donc, quoi qu'il en soit, pour ceux qui ne le savaient pas, ici, en Thaïlande, on prend pas de l'alcool quand on en a envie. Non. Il y a des horaires, c'est on peut en prendre entre 11h et 14h et entre 17h et minuit. Et il est 16h15. Donc, tu ne peux pas boire de bière, il est 16h15. Tu bois un café froid, c'est comme ça. Oui, mais c'est maintenant que j'avais envie de bière, c'est pas un café 17 froid. Heures. C'est très bien. C'est comme quand on était à l'école. Tu vas à la récréation, t'as pas envie de faire pipi, t'as envie de t'amuser. Tu rentres en classe et pof, t'as envie. Tu dis à la maîtresse, je peux aller aux toilettes? Elle dit non, va y aller tout à l'heure. Mais tout à l'heure... Je vous laisse avec, ça m'intéresse pas. Mais tout à l'heure, t'avais pas envie. Ben, la bière, c'est pareil. C'est bon, t'as fini? Oui. Bon. Alors, quoi? Cette journée, quoi, elle t'a plu ou pas? Non, je veux bien. On a fait presque 180 km quand même. J'en peux plus pour voir un volcan, franchement. Ah oui, le site, oui, pardon, j'étais restée sur celui d'hier. Oui, un site Khmer. Bon, très sympa. Bon quand même. Oui. Et le deuxième. Et surtout, un magnifique temple. Ouais. Magnifique, c'est Bouddha quand même, amour en jade. 80 bornes. T'exagères pas un peu. Regardez, j'ai des coups de soleil encore. J'ai ça permet à nos abonnés de voir certainement des choses que personne ne va leur montrer. Oui, bah, voilà. Bah là c'est sûr, je vous confirme, personne ne va exactement. Vous le montrer. Vous pouvez les chercher sur YouTube, vous pourrez bien savoir qui a montré ces deux Bouddha. Ouais, les branche pas trop, qu'ils vont trouver quelque chose. Ça va allez-y. Ça va te faire mettre ton caquet, ça. C'est pas grave, je suis prêt. Donc oui, c'était sympa. Oui, de toute façon, lui, c'est le ravi de la crèche, hein, tout lui va. C'était un peu loin. Le ravi de la crèche. L'idiot du village, quoi.
Ouais, d'accord. Non, mais il est gentil, tout le monde l'aime bien au village. Mmh, c'est vrai, tout le monde gentil, l'apprécie. Ouais. Voilà. Parce que tout est beau, tout est. Non, non, des fois ça me plaît pas. Bon. Là, c'est, je dis simplement que c'était un peu loin. On peut finir là ? Mmh. Allez, okay. Allez. Bon, on espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie et on vous dit bonne nuit les petits. Petits. Et stop. Demain, même pas une petite idée de ce qu'on va faire, rien. Ah ben non, tu veux pas spoiler. C'est une surprise. Ok.